sais trop rien parce que je n'ai pas eu l'occasion, ce qui me concerne, de connaître ce genre de situation. On va voir le médecin du travail pour avant de reprendre son travail. C'est après, on va dire, une longue maladie. Bah moi, dans mon entreprise, une visite de pré-reprise, j'en ai eu une quand j'ai été longuement arrêtée. Et également, je crois qu'il voit les assistantes sociales aussi. Ça s'est toujours bien passé. Après, ils ont des petites questions où on peut améliorer après les conditions de travail. Il n'est pas évident pour quelqu'un qui a été en longue maladie de vouloir reprendre ou de pouvoir reprendre. Un visite de pré-reprise est un outil pour préparer la reprise du travail dans de bonnes conditions lorsqu'on pense que la reprise du travail dans les conditions antérieures est compromise. Alors, en tant que médecin du travail, c'est un outil qu'on veut promouvoir et qui est encore méconnu, même si je pense que les choses évoluent dans le bon sens. Trop souvent, lors des visites de reprise, le médecin du travail peut se retrouver démuni parce qu'il découvre une situation qui évolue depuis des mois, pour lesquels rien n'a été anticipé, et à ces moments-là, on est quand même bloqué. On n'a pas pu discuter avec le médecin traitant, on n'a pas d'éléments médicaux sur l'évolutivité de la maladie, et on n'a pas eu le temps de discuter avec l'employeur pour aménager le poste de travail et permettre la reprise.